Associé, présente, dis-moi, tout vient pour un dollar. Les choses se passent. On est en plein centre-ville. On appelle ça la mine ici. La mine. Laisse-moi aller voir cette personne-là. Tu comprends? Oui, lui, hein. Tenter la mine, chercher un petit produit. Toi, avec un beau noir. En plein centre-ville, les choses se passent. Elle a les associés. Madame, dites-moi d'où tu viens pour un dollar. Moi, je viens à 250 maisons d'Elvis. Et je suis très contente d'être avec lui posé. Ouais. Lui posé. Ouais. Puis je caille. Je caille pour l'argent. Mais de où qu'elle sort ta misère? La misère, pour manger. Manger? Ouais. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a amené à la misère? La misère, là, parce que je caille, puis ça n'a pas marché. Puis j'ai pris mes études pour le faire, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Ça prenait ma deuxième année. Tu as lâché prise? Ben, j'ai tout fait de temps pour poser ça. Ben, pour poser ça. Approche, approche. D'où tu viens? Je viens là, en haut de l'Ontario. Non, ton passé, de où tu viens pour t'arriver jusque-là? Jusqu'ici, on va t'arriver pour mon ami, on s'est ici à ça. Non, mais parle-moi ça un petit peu bien court. Ben, je suis né à Montréal. Ouais. Et je vis à. Mais comment t'es arrivé ici? T'es établi? Oui. C'est quoi? C'est quoi ce qui t'a amené dans le chemin de la rue? Ok, t'es sorti. Oui, mais t'as passé la misère, c'était quoi ta misère? La misère. La drogue? C'est ça, la drogue. C'est là la misère. Ok. Bon, t'essaies de t'en sortir ou pas? Mais c'est quoi qui t'a rendu à faire la drogue? C'est quoi qui t'a rendu? Mais la femme, elle se rapporte? Non, la femme, ben, je l'ai laissé. Tu l'as délaissé? Je l'ai laissé ma femme. C'est un foyer, moi. Ouais, c'est un foyer, c'est ça. Merci monsieur. Est-ce que tu es capable de dire on fait ça pour les associés? Merci. C'est quoi ton nom? Jumeau. Jumeau? Maz, le patron. C'est comme ça que les choses se passent à Montréal. Avec les junkies, les nanas, les putes. Mais c'est pas leur faute parce que tout le monde sort de la misère. Non, dis-moi, c'est quoi qui t'a amené à... Bon, c'est quoi ton problème aujourd'hui? J'ai un problème à que soi. J'ai confondu ma vie. Je me suis mis. C'est quoi ta vie? Ma vie, c'est risque pour les immigrés. Ok. Mais j'ai rien chié, je n'ai rien fait pour les immigrés. C'est quoi ta misère? J'en ai pas de plaisir, j'ai pas de besoin pour dormir. T'as pas de besoin pour dormir? Excellent. Prenez-moi une maladie. Ouais. Je suis de mon mais je comprends pas, mais dis-moi, c'est quoi ta misère? Ta misère, ta souffrance? Ta misère, ton pote, c'est juste de pas avoir le beau fond de Daniel, il a mis au moins tu es mon temps. Tu vois, c'est ça la misère, c'est ça la misère. Tout est cloué sur toi, il n'y a pas tout regard. Je suis un gros problème. Ouais, c'est ça la misère, c'est ça. Ton lien, c'est ta force. Ouais, mais dis-moi, regarde, dis-moi pour moi. Dis-moi, dis sur la caméra, dis-moi d'où tu viens pour un dollar. Moi, je viens de... Non, dis-moi, dis le mot, dis-moi d'où tu viens pour un dollar. Moi, je viens de Aguana. Les associés. Aguana. Comment l'autre nom? Patron, pas mal non. Ah, les choses se passent. Pas mal non. Patron, pas mal non. Pas mal non. Je passe par ici. S'il vous plaît. C'est Catherine, s'il vous plaît. Patron, s'il vous plaît. Je suis associé présent, Max, le patron. Dis-moi, d'où tu viens pour un dollar? Allez, mec. Je m'appelle Max, le patron. C'est quoi ton nom? Stéphane. Dis-moi la caméra, d'où tu viens pour un dollar? Je viens dans le mois, je suis coutumé. Ok. C'est quoi ta misère? La misère, je suis dans la rue pour l'instant. Je manque de bouche. Je prends beaucoup de drogue. Je suis un consommateur de drogue. Mais c'est quoi qui t'a amené à prendre la drogue? J'ai perdu une femme, mon gars. J'étais marié, mon gars. Puis j'ai perdu une femme. J'avais un fou. J'ai perdu des maladies. J'ai perdu des maladies. Puis je suis parti.
autochtones maintenant. Les associés présentement, le patron. Dis-moi, d'où tu viens pour $1? Allez, mais. C'est quoi ton nom? Stéphane. Ouais. Dis-moi la caméra, d'où tu viens pour $1? Je viens d'Allemagne, je suis costumé. Ok. Ouais. C'est quoi ta misère? La misère, je suis dans la rue pour l'instant. Je manque de bouche. Je prends beaucoup de drogue. Là. Je suis consommateur de drogue. Mais c'est quoi qui t'a amené à prendre la drogue? Ben, j'ai perdu une femme, mon gars. J'étais marié, mon gars, puis j'ai perdu une femme. J'aimais beaucoup. Je suis content, mon gars, pour avoir ça. J'ai attrapé des maladies. C'est ça que ça maintenant? T'inquiète, ouais. Animal. Les choses se passent. Toujours. On arrive tout droit du centre-ville, quoi, où on a pu avoir une petite aperçu de ce que c'est la misère à MTL. Et on a voulu vous en faire une petite prévision, si je puis me permettre. Vous montrer comment que les choses se passent ici et que non, tout n'est pas toujours rose. En ce moment, on est de retour vers la base, où ce qu'on va aller tout pondre, cette... comment je peux dire, ce grand cru. Et je veux vous remercier de nous supporter et d'être là pour nous. Répondez-moi une question. Est-ce que vous pensez des pauvres? Dis-moi, c'est quoi la misère et les pauvres? C'est quoi vous avez ressenti quand vous avez fait ce projet? Ce que j'ai ressenti quand j'ai fait ce projet, bien franchement, c'est de la pitié. Sans vouloir être péjoratif, de la peine et beaucoup de souffrance, de voir à quel point que le monde peut avoir beaucoup de misère à subvenir à leurs besoins ici. Montre-moi c'est quoi ta fiche pour gagner ton plein. Montre-leur. Tu vois? Approche. Regarde. Tu vois? Broke, hungry, will work. Tu sais ce que tu veux dire ça en français? Il est cassé, il a fait, il est prêt à